Ah bonjour le monde. Aujourd'hui, une recette, c'est pas de la grande cuisine, c'est de la cuisine rapide. Je suis en train de travailler dans la maison, j'ai pas trop le temps de faire mijoter un plat. Alors regardez, je vais me faire des pâtes. Alors moi je prends toujours des pâtes à cuisson rapide. Là, ce sont des Barilla, Capellidi numéro 1, cuisson 3 minutes. Voilà, il est à la montre du capitaine, il est midi dans 4 minutes. Voilà, eh bien, je vais couper finement un oignon violet. Je vais en mettre la moitié dans l'eau des pâtes et l'autre moitié dans la poêle avec de l'huile d'olive d'Espagne, ultra vierge, comme moi il y a 100 ans. Et là, je vais mettre de l'ail persillé, ajo persillé. Perejil, voilà, et sur la viande, voilà, un peu de sel, bien sûr, voilà, c'est ce qu'il faut, ça va prendre donc peut-être un quart d'heure, quoi, et puis à table, quoi, hein. Bon appétit. Bon, ben voilà les pâtes qui sont presque cuites, ça fait bon, 2 minutes qu'elles sont dans l'eau bouillante avec l'oignon. Ça donne un goût l'oignon. Alors moi j'ai de l'oignon violet, si vous avez de l'oignon rose, l'oignon blanc, bien sûr ça fait l'affaire. Là, j'ai mes deux steaks hachés congelés, je ne les ai pas fait décongeler. Ils décongèlent dans la poêle et je vais, avec une spatule en bois, je vais les couper en petits morceaux. Ensuite, le contenu de la poêle va aller dans les pâtes que j'aurais égouttées avant. Voilà, et vous verrez que je vais me régaler. Alors les steaks, moi je prends toujours, bon, je prends des fois des bonnes entrecôtes, des côtes de bœuf, j'adore la viande. Mais quand je prends des steaks congelés, en fait, je les prends à l'oignon déjà et je rajoute un peu d'oignon, j'adore l'oignon. J'adore l'oignon là-bas. J'ai besoin d'une assistante, vous le savez, quoi. Alors, j'ai reçu plusieurs curriculum vitae, mais pour l'instant, personne n'a été retenu. Mais merci pour celles qui m'ont envoyé les curriculum vitae. J'ai juste besoin d'une assistante, non pas amoureuse, une assistante, une assistante ménagère. Et photographe, voilà. Pas de liaison amoureuse. Je suis tombé dedans assez jeune, là. J'ai 40 ans de mariage. Enfin, 20 plus 10. 20 plus 10, j'ai 30 ans de mariage. C'est bon, hein. C'est bon, maintenant un peu de liberté avec une assistante. Voilà. Bon, alors ce que je vais faire maintenant, je vais égoutter les pâtes. Tac. J'aurais pu les goûter avant, mais je sais qu'elles sont al dente. 3 minutes, c'est suffisant. J'égoutte les pâtes. Alors, j'ai mis la moitié. Je m'excuse, le brouillard vient de tomber soudainement sur le regard. J'ai mis la moitié d'un paquet de Barilla de 500 grammes. Donc, il y a 250 grammes de pâtes. Voilà. Voilà, j'ai bien égoutté les pâtes. Et je les mets dans la poêle, tout simplement, tout bonnement. Et je touille, je vais être obligé de poser mon téléphone pour touiller, mélanger la viande et les pâtes Barilla qui sont 3 minutes, 250 grammes de pâtes. Regardez, vous pourriez venir là et on aurait partagé ce repas. Au dessert, qu'est-ce que je vous offre? Au dessert. Il y a divers yaourts, qu'est-ce que c'est que ça? Des perles de lait à la vanille, des petits flans caramel, des yaourts nature. J'ai même, maman m'a donné un petit vin, Symbiose du Languedoc. Il y a longtemps que j'ai pas bu de vin rouge, mais voilà, le vin est là. Si vous arrivez, là, je débouche la bouteille, sinon je boirai du jus de pomme. Le jus de pomme de l'Hyper-U, je vous le recommande, il est fabuleux. Alors si vous aimez pas les flans, les yaourts et tout ça, qu'est-ce que j'ai là?
de la carte de la crème glacée au chocolat ou à la vanille. C'est fabuleux. Voilà, vous êtes gâtés quand même. Eh bien, bon appétit. Allez, je vais touiller mes pâtes, là. Et voilà. Je me dépêche parce que ça va refroidir. Il m'a fallu 10 minutes pour concocter ce plat royal. Royal. Et j'ai sorti un verre à pied pour déguster avec ces pâtes à la viande. J'ai sorti un verre à pied pour déguster du jus de pomme 5 étoiles. Je vous souhaite un bon appétit. Vous voyez, il y a de la place. Bon, là, c'est du provisoire. C'est mon chandelier pour les cérémonies, pour les dîners à la chandelle. Et je trouve que c'est très, très original ce que j'ai fait. Je suis fier de moi. Soyez fiers de vous, mes amis, et partagez ce que vous faites avec joie. La joie est communicative. Bon vendredi, le monde.